Alors l'apôtre Paul, après avoir souhaité la grâce et la paix aux Éphésiens, continue sa prière en disant « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ » et il continue ainsi et on verra la suite de cette phrase dans les prochains jours. Mais commençons donc juste par cette expression « Il bénit Dieu le Père ». Vous savez, c'est un petit peu comme dans cette prière que Jésus nous a enseigné où il dit que ton nom soit sanctifié, un nom qui soit respecté, élevé, mis à part. Et bien là, c'est ce que fait l'apôtre Paul en bénissant Dieu le Père, Dieu et Père, selon les traductions, Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'apôtre Paul ici fait bien la relation entre Jésus et Dieu le Père. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le début du christianisme et Jésus c'est quelque chose de nouveau pour les gens de cette époque-là. Et il s'agit de montrer que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une nouvelle religion, mais c'est vraiment le Fils de Dieu et qu'il y a une relation entre Jésus-Christ, Sauveur, qui est venu donner sa vie pour le salut de l'humanité et Dieu le Père, celui qui est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Eh bien, l'apôtre Paul ici insiste sur le fait que Dieu, le vrai Dieu, le seul Dieu, le Dieu de l'univers, c'est aussi le Père de notre Seigneur. Donc il dit, nous avons reçu un Seigneur, nous avons reçu un Sauveur, Jésus-Christ c'est notre Seigneur, mais n'oublions pas que Dieu est le Père de notre Seigneur. Et malheureusement, peut-être aujourd'hui, des fois, nous avons besoin de nous rappeler ces choses. Lorsque nous prions, lorsque nous louons, lorsque nous chantons, nous rendons souvent gloire à Jésus, nous élevons le nom de Jésus, nous prions Jésus, nous rendons grâce à Jésus, nous prions Jésus. Et l'apôtre Paul ici parle aux Éphésiens et nous parle aussi en disant « Oui, Jésus est notre Seigneur ». N'oubliez pas qu'il a un Père et que c'est ce Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui doit être béni lui aussi et c'est lui qui nous a bénis en Jésus-Christ. On verra cette phrase plus tard. Donc, Paul nous ramène à Dieu le Père en disant « Oui, il y a un Seigneur et ce Seigneur, c'est Jésus-Christ, mais le Père est... » Et donc, même si Jésus est Seigneur, il a un Père et il a un Dieu, quelque part c'est ce qu'il dit, puisqu'il dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ », eh bien, c'est le Dieu des prophètes, le Dieu du peuple d'Israël, le Dieu de l'Ancienne Alliance. Alors aujourd'hui, d'une manière très concrète, lorsque nous prions, eh bien, prions Jésus, certes, mais n'oublions pas de faire ce que Jésus nous a enseigné à faire en disant « Notre Père » et de nous adresser au Père et de pouvoir remercier le Père de nous avoir donné Jésus, de pouvoir remercier le Père de nous avoir donné le salut et de nous avoir donné en Jésus tout ce que nous avons aujourd'hui. Et nous en reparlerons dans le prochain vidéoblog.